It's confirmed. Qatar and Morocco were involved in the corruption scandal that has shaken the European Parliament. Talking to Euronews, the lawyer of former MEP Pier Antonio Panzeri said it is true. He also says that an agreement that he signed with the Belgian authorities will likely mean a reduced sentence for his wife and daughter, who are also caught up in the case. Panzeri now acknowledges his participation in the Cash for Influence scandal. Monsieur Panzeri est en aveu aujourd'hui d'avoir participé activement à des actes de corruption en lien avec le Qatar et en lien avec le Maroc, et donc d'avoir été corrompu et d'avoir corrompu d'autres personnes. Et il accepte le terme de dirigeant de l'organisation criminelle. Ça ne veut pas dire qu'il est le seul dirigeant, ça veut dire que c'est au moins un des dirigeants d'une organisation qui avait pour objectif notamment de corrompre des personnes. His wife and daughter are currently in the process of appealing for extradition between Italy and Belgium. Did he mention his wife and daughter? Are they part of the deal or not at all? L'intérêt pour la justice, c'est d'avoir quelqu'un qui n'a plus d'intérêt à se défendre et qui n'a pas d'intérêt non plus à accuser à tort quelqu'un. Il a l'obligation de dire la vérité sur tout le monde. Et en contrepartie de cela, il sait quelle est la peine et il accepte la peine qui est déjà fixé dans le cadre de l'accord. Mais ce qui est important pour lui, c'est de pouvoir se libérer, de pouvoir parler de manière plus aisée et de savoir à quoi s'attendre déjà maintenant et d'espérer, parce qu'il collabore, qu'il y ait aussi, c'est vrai, pour sa famille, pour sa femme et pour sa fille, qui font l'objet de procédures pénales en Belgique, qu'il y ait aussi une certaine bienveillance de la part du ministère public. C'est ce qu'il espère. But you cannot tell us if, for example, some of the names that could be given to the prosecutor include parliamentarians currently in office or people who work in other European institutions. Non, ça, je ne peux pas le dire. Ce serait violer l'accord qu'on a justement avec le parquet fédéral et ce serait violer un principe. Ce n'est pas dans l'intérêt de mon client de communiquer ces informations. Nous, on communique dans son intérêt et par rapport à la voix qu'il veut porter aujourd'hui, mais on ne communique pas sur des éléments qu'il communiquera à la justice pour la justice. Maître Kenesh, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Je vous en prie.